voici ma question. En 1999, Jacinthe chante pour la première fois à la Fureur. Quel est le titre de son premier grand succès? Est-ce A, etc., B, Les Arpents Verts, C, Give It Up, ou D, Oops, I Did It Again? 15 secondes de réflexion. Jessica, as-tu une bonne réponse pour nous? Oui, c'est Give It Up. Et c'est une bonne réponse, bravo! Évidemment avec le Cirque du Soleil récemment, mais là, il y a un cinquième album qui s'en vient pour toi. Et on enregistre, on écrit des chansons, on prépare pour ça. Et ça va sortir pour, notamment pour le marché américain, je crois. Exactement. Excellent. Et merci, Jacinthe. Vraiment, merci de ta visite. Et on va prendre le temps aussi de saluer les danseurs et les danseuses qui t'accompagnaient. Il y a notre chorégraphe, Isabelle Delage, qui est avec ses danseurs et ses danseuses depuis le tout début. Elle a fait les chorégraphies de ces 250 fureurs. Merci à toi, Isabelle. Merci aux danseurs et aux danseuses. Merci, Jacinthe. On remercie. Au retour, c'est la fosse aux chansons et deux autres joueurs étoiles viennent jouer dans cette 250e de la Fureur. Radio-Canada. Quel merveilleux party! Ah! Écoutez! Les filles ont très, très bien fait lors du dernier jeu. Les gars, qu'avez-vous à dire pour votre défense suite à votre performance dans le dernier jeu? Le pointage final. Explique la situation. On a cassé la chimie parce que je t'avais dit, ça va dire... Non, les gars, quand même, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Ah, non, mais bravo, filles, ont été super bonnes. Oui, bravo, les filles. Oui, bravo, Véro. Mais je tiens à dire... Oui, voilà, au moins, les gars, vous êtes beaux. Puis comme tu le disais si bien, le pointage ne va pas refléter la game non plus. Oui, exactement. Non, il va juste... Justement. C'est nous autres qu'il faut qu'ils ramassent à la fin, ça. Oui, on fait le ménage. Oui, c'est le résultat du match de ce soir. Avec une victoire des filles, ben oui! L'étoile du match de ce soir, Véronique Cloutier! Bravo, Véro! Bravo! Bravo! Bravo, les filles, les gars! Excellente émission. Merci à toute l'équipe du Studio 42 de Radio-Canada. Vraiment pour un travail extraordinaire. Dans les deux derniers jours, ça a été beaucoup, beaucoup de travail à faire. Les filles, vous irez manger chez Pacini. 7,879 pour le 2000 chez Desrosiers-Larivière. Le 17,879. La semaine prochaine, Nicolas Ciccone, Karine Tessier, Jean-Michel Axel et plein d'autres. Infoman, tu es à l'instant. Bravo à toi, Sébastien. C'est bien fin. La Fureur, c'est toi maintenant. Merci. Longue vie à la Fureur. Merci de votre fidélité. Bye-bye, tout le monde.